Les amis, il est 6h52. Je suis en train de terminer mes slides pour démarrer ce séminaire de Marseille. On est le samedi 28 octobre. Voilà, et donc séminaire sur Marseille. Donc ça va commencer à 8h30. Les personnes vont commencer à arriver vers 8h30 jusqu'à 9h. Et là, ce matin, je termine de préparer mes slides pour démarrer ce séminaire sur Marseille. Donc pour moi, le sujet, ça sera comment transformer son actif en revenu passif. L'idée de ce que je vais expliquer ici, c'est tout simplement, aujourd'hui, beaucoup de personnes, quand ils se lancent, ce qui est normal d'ailleurs, finalement, ils prennent une posture, finalement, comme s'ils étaient salariés de leur propre entreprise. Alors qu'au contraire, au bout d'un moment, mais je pense qu'il faut déjà avoir cette vision dès le départ, il faut plutôt avoir une vue, on va dire, sur son entreprise et pas dans son entreprise. Donc c'est ce qu'on va voir ce matin. Il y aura aussi Yanis Debrey, expert comptable de Mort Expert, un cabinet d'expertise comptable que j'ai lancé en début d'année, qui sera là. Et puis dans l'après-midi, ça sera une personne de l'équipe Rénoveuse Astucieuse qui sera sur place. Et une autre personne aussi sur le marketing et comment créer une marque sur son entreprise. Bon, ça devrait être super bien. Là, je suis un petit peu claqué parce qu'hier soir, on est sorti un petit peu et on a aussi beaucoup visité Marseille qui est une très belle ville. Donc ce matin, c'est un petit peu dur. Là, j'ai hâte de descendre et prendre un petit café. Et puis, bah, on va attaquer. Et l'idée de ce vlog, c'est justement de partager tout de cette journée. Allez, on descend se prendre un petit déjeuner, tranquillou. On se prend un petit café, ça va faire du bien pour ce matin. De prendre des notes, bon, je vais descendre tout ça. Il y en a d'autres qui sont arrivés aussi. Là, j'en ai qu'une partie. Et puis voilà, on est parti. Bon, allez, on se retrouve dans la salle. Donc, je vais te présenter ça tout de suite. Hop, voilà. Là, tout est prêt. Très grande salle, donc c'est vraiment cool. Donc, là, on va faire les différents tests pour vérifier que tout fonctionne bien. Voilà.
On a de quoi boire. Les petits calepins de l'hôtel, en plus de ceux que nous va fournir, les petits crayons. Voilà. Et puis là, ici, on va avoir les deux espaces pour prendre petit déjeuner, café, etc. Donc, ça devrait être plutôt une belle pièce. Voilà. Donc là, il est 7h50. On démarre dans à peine 3 quarts d'heure. La tension monte. Très rapidement, donc il y a Elodie bien évidemment, et que je voudrais vraiment qu'on applaudisse parce que c'est elle qui a tout organisé sur Marseille. Et puis Elodie, je pense que vous l'avez déjà discuté avec elle, hein, puisque c'est elle qui aujourd'hui fait de plus en plus de séances de coaching, puisqu'elle a une grande expérience, c'est pour ça que ça me semblait important. Et puis c'est quelqu'un de bienfaisant et qui a un rire très communicatif et que j'adore. Donc ça matche carrément avec moi, et du coup c'est pour ça que ça semblait important qu'elle soit là. Ensuite, je vais vous laisser vous présenter. Après, on a Gaëtan. Gaëtan avec qui on a... Gaëtan qui est un ancien, puisqu'il est dans les premiers à rejoindre la formation. Voilà, 3 ans et demi. Avec qui on a lancé récemment une formation sur comment économiser sur ses factures d'électricité. Sur ses factures de chauffage, qui fait ses charges, on a lancé ça il y a un mois. Il y a deux semaines. C'est Gaëtan qui est en charge de la mise en place de cette formation. On a ensuite Sonia, je vais vous la présenter aussi, puisque Sonia est un pilier. Une ancienne aussi, et c'est un vrai pilier au quotidien. Et c'est surtout que c'est elle qui organise les galas. Les Soumoeurs, et notamment qui aura lieu tout début 9 décembre, voilà. Donc vous êtes les bienvenus pour nous rejoindre. Là, ça sera un format un peu différent, ça sera un format un peu atelier, on fera un point d'année, et puis le soir on va festoyer, on va s'amuser. Et quand
quand ils m'ont parlé de ce qu'ils faisaient, moi j'étais déjà dans cette idée d'aller sur le no-code également. Du coup, on s'est bien entendu, on a beaucoup discuté dans la journée, beaucoup. Et après, je dis non, mais là, c'est clair, il faut absolument qu'on les emmène sur ça. On a monté notre conciergerie en début 2022, on va dire. Et aujourd'hui, on gère 25 biens. On a aussi des sous-locations, on a fait une petite transition. Et voilà, du coup, on a fait cette formation no-code qui permet de gérer sa conciergerie, de gérer la. De créer surtout son écosystème sur mesure pour sa conciergerie, pour sa sous-location. Voilà, de dispatcher le ménage et puis de faire les factures en automatique. Voilà. On peut les applaudir. Donc effectivement, on a créé un cabinet avec Sébastien depuis fin 2022, début 2023, tout simplement parce qu'il y avait un besoin de traiter tout ce qui était conciergerie et sous-location, mais pas que, puisqu'on a d'autres activités éventuellement qui peuvent être traitées par le cabinet. Et on fait effectivement tout ce qui est tenue de la comptabilité. J'ai fini sur des yachts privés et puis après j'ai travaillé pour des conciergeries pendant pas mal de temps en freelance et j'ai monté la mienne il y a un an et maintenant j'ai une trentaine de biens plutôt spécialisés très grand luxe, donc moi c'est des biens qui sont off market la plupart du temps, donc ça veut dire que je les travaille sur... Ça fait 3 ans et demi que je fais de la sous-location, donc là j'ai une douzaine de biens et aujourd'hui voilà, je me suis associé aussi avec Sébastien pour créer une formation pour la gestion des radiateurs, donc ça peut être tous les types, hein, électriques, dans les copros, avec chaudière. Donc en fait, si vous avez des questions dans la journée, n'hésitez pas à venir me voir, comme ça moi, je vais pouvoir vous aiguiller un peu plus. Et aussi aujourd'hui, je me mets aussi en tant que marchand de biens, donc c'est de l'achat-revente dans l'immobilier. Donc, voilà un peu mon parcours. Bonjour à tous. Déjà, merci beaucoup d'être venus. Moi, c'est Sonia. 60 personnes, c'est juste incroyable. C'est le plus gros, hein. Plus gros séminaire. Bravo à toi, Elodie. Parce que c'est pas tout le monde. Ouais, bien joué. C'était attendu, je pense, qu'il y a un événement dans le sud. Donc merci à tous d'être venus si nombreux, c'est top. Donc moi, du coup, j'ai commencé la sous-loc en 2018. J'ai rejoint Seb il y a 3 ans et demi également. Aujourd'hui, j'ai un peu moins d'une dizaine de biens. Et voilà, ça tourne bien, je suis contente. Donc je suis spécialisée dans les logements à thème principalement. Et au niveau des sous-loueurs, je m'occupe de la partie organisation événementielle. Donc moi, ce que j'aime beaucoup, donc c'est ces réunions, les séminaires qu'on peut faire, c'est très booster, on repart motivé chez nous. Mais ce que j'aime encore plus, c'est la partie festif. Donc en fin d'année, j'aime bien ce petit moment donc, où on peut tous échanger, parler librement. Donc il n'y a pas vraiment de thématique, on aborde des sujets ponctuels, je dirais. Et on échange tous ensemble, c'est libre talk. Et après, une partie festive après qui est très sympa. Donc je vous recommande de venir, c'est le 9 décembre et c'est vraiment cool. Voilà. Si vous avez une idée, eh ben, écoutez pas forcément, alors, sauf si des personnes bienfaisantes que vous avez identifiées, qui sont dans le même délire que vous, sur est-ce que je prends, on en parlait tout à l'heure, est-ce que je prends ce lot en conciergerie qui est à tel endroit, mais c'est pénible, mais il faut payer le parking, il faut se déplacer. D'un point de vue financier, c'est que justement, je pouvais savoir que tel entrepreneur me coûtait tant, il correspond, bah, comme le disait Yanis, par rapport au lot, à tel, etc. Et là, vous avez bien vos KPI, vous savez exactement vos appartements, s'ils sont rentables, pas rentables, etc. Là, on reprend contact avec lui. Et croyez-moi bien ou pas, sur un appartement, on avait 800 euros de loyer. Donc moi, elle dit, non, je ne veux pas que vous partiez. Franchement, ne partez pas, j'ai besoin de vous. Donc il me dit, bah, donc il me rappelle, il dit, oh, Sébastien, on va faire une amie. J'ai dit, 650 le loyer. On a négocié 120 euros comme ça. Il raflait ce qui reste, quoi, les miettes, quoi, donc ça sert à rien. Donc c'est pour ça que je me suis positionné sur autre chose. Et qu'est-ce qui, c'est plus un ERP pour piloter votre entreprise et avoir des indicateurs, etc., etc. Enfin, l'objectif. Vous voulez obtenir votre liberté financière, voilà. Soit vous souhaitez vous diversifier, créer un nouvel actif. Vous souhaitez gagner de l'argent, ce que vous faisiez aujourd'hui n'était pas suffisant financièrement. Vous avez dit, ah ouais, là, une belle opportunité sur la sous-loc ou la conciergerie, je peux faire de l'argent facile. Pas trop d'investissement, c'est bon pour moi. Ou alors, vous ne voulez plus échanger de temps contre de l'argent. Parce que, je pense que quand vous m'avez écouté sur la sous-loger, ça tombe bien, on a un appartement à leur proposer, on résout son problème. Donc,
De base, l'entreprise, normalement, a lieu d'exister. Si un jour, vous résolvez aucun problème... Parce que lui, en fait, il travaille avec un logiciel d'expertise comptable qui, à mon avis, ne gère pas contrôle, si tu veux. Donc lui, il est dépendant de ça, quoi. Lui, si tu veux, il ne peut pas s'interconnecter lui-même, son cabinet avec Conto. Non, lui, il passe par son logiciel d'expertise. C'est un truc de malade. Les amis, on se situe dans la salle. Donc là, on a fait une petite pause. Il est 16h05. Voilà, donc ça résonne pas mal. Ça résonne pas mal. Hop. Et là, on va enchaîner sur un nouveau sujet. Ce sera le dernier sujet de la journée. Il est 16h. Voilà, donc là aujourd'hui, beaucoup de valeur dans cette journée, dans ce séminaire. Et je pense que... Bon, qu'est-ce que vous pensez du séminaire? Bah, franchement, on s'amuse quand même bien. On apprend plein de trucs et on échange beaucoup. Ça te va? Ça te plaît? On fait du réseautage, ça sera intéressant. Franchement, bah, c'est cool. Au top. C'est cool, je te remercie. Pas de soucis. De bonnes énergies, de motivation, et en fait c'est exactement ce dont on a besoin, parce que c'est vrai que quand on est entrepreneur, on est souvent seul, surtout que ce qu'on fait nous, la sous-location particulièrement, personnellement, on peut avoir un entourage qui ne comprend pas du tout ce qu'on fait et donc qui va vouloir nous soutenir, mais le soutien va être un petit peu challengeant, parce qu'on va attendre de nous aussi des résultats et ça va être un petit peu compliqué. Et en fait, de savoir qu'on n'est pas tout seul, qu'on se soutient les coudes, qu'on s'encourage au quotidien, en fait c'est ça qui fait de nous notre force aujourd'hui. C'est notre collectif, c'est tout ce que tu fais pour nous aussi, Sébastien, les partenariats, ou même je sais pas qui est-ce qui a fait votre partenariat avec les Rénovas Astucieuses, mais c'est ça en fait, et on se sent pas seul en fait, et on a concrètement des partenariats qui sont avantageux pour nous. Encore merci pour tout, parce que à chaque fois je ressors mais avec une énergie, je suis franchement, c'est la plus belle expérience de ma vie. Merci. Voilà les amis, donc cette journée se termine. Là, on vient d'enchaîner sur un petit apéro en terrasse, donc c'était très sympa. Et puis là, maintenant, on va se diriger sur un restaurant. On a à peu près 35. Voilà, donc on va prolonger cette belle journée, ce séminaire qui était juste excellent, avec des intervenants incroyables. On a partagé beaucoup de valeurs, vraiment tout le monde était très satisfait, et là on enchaîne cette soirée, donc je vous fais voir ça dans quelques instants. Voilà, direction un restaurant, on va être à peu près 35. Allez, à très plus tard. Alors, j'ai pas eu le temps de terminer mon vlog sur Marseille, puisque c'est un vlog, on va dire, un petit peu spécial sur justement le déroulement d'un séminaire, et tu as pu voir un petit peu les coulisses du séminaire, voir un peu comment ça se passe. Donc là, j'ai pas eu le temps de faire cette vidéo parce que tout s'est enchaîné très rapidement, puisque au moment où on s'était quitté, donc on se rendait au restaurant. Ensuite, après, on a beaucoup, j'ai été pris beaucoup par le... tout simplement l'ambiance c'était assez intense, et puis après on est sorti très très tard, donc vraiment pas eu le temps de terminer ce vlog. C'est pour ça que je voulais vraiment refaire une vidéo pour récapituler un petit peu tout ce qui s'est passé. Donc des événements comme ça, j'essaie d'en organiser régulièrement, on va dire entre 2 et 3 par an. C'est des événements où on se retrouve
tous ensemble. C'est des événements où, comment dirais-je, on fait participer les personnes uniquement prix coûtant. Puisqu'en fait, on loue des salles, on fait venir un restaurateur ou tout simplement le restaurant sur place. On essaie de négocier aussi un prix. Et tout simplement, bah, les personnes qui viennent au séminaire, en gros, ils payent bah, uniquement ce que ça coûte. Donc, c'est vraiment du prix coûtant. Moi, je ne suis pas du tout ça dans une optique de gagner de l'argent, mais vraiment dans une optique de suivre les personnes et qu'on puisse se retrouver. Puisque aujourd'hui, il n'y a rien qui m'oblige à le faire, mais ça me paraît important de faire cet exercice et de faire en sorte que les personnes qui rejoignent la formation, et si toi tu avais prévu de la rejoindre, bah voilà, tu sais que tu peux nous retrouver, tu peux être en. On va tous se voir, discuter, échanger, réseauter, s'amuser. C'est important aussi, s'amuser. Être dans une autre ambiance. Donc là, c'est. Voilà. Donc c'est la fin hein, du coup de cette vidéo. Donc j'étais vraiment super content d'avoir pu faire ce séminaire. Les intervenants aussi, merci à eux, vraiment exceptionnel, merci à tous ceux qui sont venus. Bien évidemment, c'est aussi une vidéo on va dire de remerciement à tous ceux qui contribuent. Il y a aussi un gros noyau dur dans les sous-loueurs, puisqu'on a des personnes qui sont là depuis 3 ans, 4 ans maintenant, qui ont bien développé leur business, qui sont bien avancés et qui justement viennent plus pour finalement se rencontrer quoi. Le contenu en lui-même, c'est plus trop leur. Voilà, ils ont toujours des choses à apprendre, mais évidemment, mais peut-être moins effectivement que les débutants. Et voilà. Donc tout s'achève ici, et puis on va réenchaîner, puisque le mois prochain, je retourne sur Paris pour faire. Alors, pas un séminaire, mais c'est un format un peu bootcamp, atelier, on va dire, qu'on fait une fois par an. C'est une forme de gala, bilan de fin d'année, qui est organisé par une personne de ma formation. Voilà, donc et juste pour info, hein, mine de rien, à chaque fois, c'est tout le temps, ces séminaires sont tout le temps plus ou moins annoncés et organisés par des membres de la formation. Donc, tu vois bien que pour que les personnes d'elles-mêmes organisent ça, c'est qu'il y a vraiment un très bel esprit derrière. Il y a vraiment une communauté et c'est ce qui fait notre force, quoi. La force des sous-loueurs. Voilà. Donc on a terminé, moi là je me rends sur un de mes appartements parce que là on est en train d'installer tout un système pour automatiser le chauffage. Donc du coup je me rends sur place pour voir un petit peu, puis je vais faire un petit tour aussi de cet appartement parce que c'est un petit moment que j'y suis pas allé, donc je voulais absolument y aller. Ça permet de sortir aussi un petit peu de chez moi, mine de rien. Donc voilà, on va s'arrêter là. Moi je vais te souhaiter plein de bonnes choses. Comme tu le sais, vouloir changer de vie c'est bien. Le faire, c'est encore mieux. Je te souhaite plein de réussite dans tes business, dans toutes tes créations d'entreprise, bien évidemment. Et on se retrouve prochainement sur une prochaine vidéo. Sur ce, à très bientôt. Ciao.